Quoi? Bon bah aujourd'hui c'est Diablo 2. Alors donc bah on va partir sur du Diablo 2 et on va parler de Nilatak. Ça va être des runs vraiment spécialisé pour le Necrosummoner, donc ça va être, on va essayer de rentabiliser la chose, hein. Ça va être donc des runs Pindleskin et Nilatak. Je suis déjà désolé pour les mots en anglais, alors je vais essayer de dire des mots en français quand je les connais, mais bah, comme en fait je les connais pas spécialement, donc forcément ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, ce que j'ai noté, il y a des avantages, il y a des inconvénients, hein, forcément, donc on va commencer en priorité par tout ce qui est inconvénient. Et on va monter au fur et à mesure, etc. On va monter forcément dans les... Enfin, ça va partir des inconvénients et on va aller dans les bonus, forcément. Alors donc, en gros, dans les inconvénients, à Pindleskin, donc le boss qui est... tu prends le portail et puis t'es sur place, hein, en nécro. Bon, déjà, c'est en nécro summoner, je vais pas te le mentir, c'est à chaque début de run. Ce qui est bien, c'est que t'arrives, tu peux lever ton armée assez facilement. Ça, c'est... Mais on va commencer d'abord par les inconvénients déjà. Donc, à Pindleskin, en gros, une grid peut te tuer. Mais c'est le seul moyen de mourir en réalité. Hein. Donc, voilà. Donc, tu peux mourir si tu fais n'importe quoi à Pindle. C'est possible de mourir en nécro summoner. Et encore que je trouve qu'il faut clairement le faire exprès. Faut le vouloir en fait pour mourir. Faut clairement le vouloir en fait. Et sinon, on va tout de suite donc passer à Nilatak. Alors, à Nilatak, il faut savoir que Nilatak. Alors, déjà, il a des immunités variables. Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver tout type d'immunité. Tout dépendra des affixes, etc. Hein. Donc il peut y avoir de l'immune physique, il peut y avoir de l'immune poison, il peut y avoir de l'immune feu, il peut y avoir de l'immune machin, cold, lightning, etc. Truc, c'est que le Necrosummoner, au final, il s'en fout, hein. Genre, il n'y a pas trop de soucis, puisque bah, tu as l'amplification de dégâts, et tu as aussi, suivant les builds, forcément, tu vas avoir un peu tout et n'importe quoi, hein. Tu vas avoir, par exemple... le lower resist, donc la réduction de résistance, le dernier talent, donc le dernier talent dans les malédictions, donc en un point, donc ce qui fait que tu peux réduire la résistance magique et tu peux même retirer les immunités sur un malentendu. C'est un peu de stuff. Donc en fait, Nilatak, oui, en soi, il est très dangereux. Déjà, Nilatak en lui-même est extrêmement dangereux parce qu'il fait des corpse explosions et compagnie, donc il fait des explosions de cadavres. Ce qui fait que sur un malentendu, un mauvais positionnement, si tu grides un peu trop, tu peux te faire tuer. Même avec un bon stuff, etc. C'est difficile. Voilà, donc tu peux te faire tuer. Alors moi, j'ai aucun problème. Mais il est possible de te faire avoir. Le mercenaire, ça aussi, c'est un malus. C'est que ton mercenaire va souvent se faire one shot. Donc il va mourir d'un coup, même avec le proc tricherie. Déjà, il y a le facteur vipère. Les vipères qu'il y a là-bas, donc c'est les serpents qui te balancent du poison, sont buggées. Littéralement, elles sont buggées, elles font des dégâts qui n'ont aucun sens. Ce qui fait qu'il y a des patterns où, par exemple, tu vas te retrouver avec 4, 5, 6 vipères à l'entrée. Donc au passage, quand tu... Enfin, la salle, là, réellement, ni l'attaque, hein, donc quand tu passes la porte. Et sur un malentendu, si t'es un peu pas réactif, ça peut vraiment tourner au vinaigre. Hein, donc ça peut mal se passer. Donc il faut quand même faire très très attention à cela. Mais de manière générale, ça va si tu as des potions de réju, des potions de vie. Mais il faut faire quand même gaffe. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis que c'est dangereux, que ça requiert un stuff partiellement avancé. Tu n'y vas pas, tu vas pas à Nilatak en entrée de cauchemar, t'as rushé, ou tu t'es fait rush, t'es à poil, t'y vas pas en fait. T'y vas quand t'es capé résiste, voire même overcap résiste. Parce que ça peut arriver, moi j'ai déjà eu le tour, ou à la porte, qui ont la réduction de résistance. Ça m'est arrivé. Et quand ça arrive, je peux te dire que si t'es pas overcap résiste, bien au-delà du truc pour t'assurer que même avec ça, t'as pas des résistes, on va dire, convenables. Hein, donc au moins un 75 poison. Et franchement, j'exagère pas, hein, il te faut un 75 poison. Clairement, il t'en faut un. Hein, littéralement. Mais Nilatak, c'est un endroit vraiment très dangereux. Donc voilà. Donc globalement, là, c'est les points négatifs. Il y en a peut-être un peu plus. Mais voilà, donc là on va passer tout de suite au point, on va dire moyen, c'est le plus ou moins, hein, clairement. Donc déjà, c'est que les clés ne prennent pas en compte le Magic Find. Alors, c'est bien et c'est pas bien, donc c'est-à-dire que comme on est en hardcore,
puisque voilà, enfin c'est spécialisé hardcore, mais ça c'est sûrement dans le titre de la vidéo ou dans la description, hein, forcément. Donc voilà, moi je joue que en hardcore, donc voilà. Alors en hardcore, le truc c'est que c'est bien, c'est pas bien, parce que bah, souvent t'as pas tant de magic find que ça. Également, en fait, il faut aussi te dire que le nécromancien summoner, il n'est pas connu pour avoir des 1 milliard de magic find comme la sorcière, comme tu pourrais faire en softcore, etc. Hein, donc. Et puis en hardcore, tu privilégies surtout les résistances, les PV, etc. Tu veux pas mourir en fait. Mais tout ça en essayant d'avoir quand même le 200% de magic find. Donc, on peut partir du principe qu'il y a une partie de ton stuff qui ne te sert pas à grand-chose. Pas vraiment un problème, donc c'est un plus ou moins. Parce qu'au final, même si t'es partiellement avancé, mais pas trop, donc si t'as pas encore ton 200% Magic Find, bah au final, tu peux quand même aller à Nil Attack si t'es capé, enfin, over cap resist, donc du 225, etc. Hein, ce genre de conneries, 225 de résistance en L, pour la simple et bonne raison que même si tu te prends un lower resist, tu vas pas mourir. Ensuite, dans les plus ou moins, il y a des vitesses de clean random. Donc, en fait, tes runs, elles sont quand même pas aléatoire, parce que c'est pas entre 20 minutes et une minute tes run Pindle ni là en fait, c'est juste qu'en fait le nécro en lui-même il farme assez lentement, enfin le summoner en tout cas, parce que bon le poison c'est une autre histoire, et puis l'os c'est autre chose pareil. Le summoner est plus lent en fait, c'est ça le problème du summoner hein, majoritairement, mais ça peut-être que je ferai un guide sur lui, etc. Et ça dépend toujours des variantes que tu vas faire. Est-ce que tu vas jouer 20 mages? Est-ce que tu vas jouer 20 points dans le golem? Est-ce que tu vas jouer 20 points dans l'explosion cadavérique, ou 7 points ou 11 points? Tout ça dépend. Est-ce que tu vas jouer 11 revive ou 20 revive comme moi? Parce que bah, moi je fais un build un peu off meta, je fais 20 revive. Est-ce que tu vas jouer 20 amplifications de dégâts ou... Comme certains, il y en a qui le font, hein, genre Nécro est assez large. Est-ce que tu vas prendre toutes les malades, ou est-ce que tu vas juste prendre, par exemple, est-ce que tu vas juste prendre ton amplification de dégâts, éventuellement les Creepify, et puis le reste tu prends pas? Ça, c'est à toi de voir. Et donc là, on va passer tout de suite aux avantages, et les avantages, là, par contre, il y en a énormément, donc c'est l'intérêt du Nécro d'y aller. Donc, Pindleskin, l'avantage, c'est que déjà, bah, on monte son armée en arrivant. Donc ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller à l'acte 1, puisque tu vas à Pindle, tu prends le portail, et tu peux monter ton armée, et déjà, t'as viré au moins 12, voire 13, 14, 15 mobs. Instant, ils ne peuvent pas réagir, puisqu'ils ne sont pas encore relevés, donc toi, tu peux les relever direct, hein, donc bah, ça sacrifie le mob, hein, voilà, tout simplement. Alors ça, c'est aussi un avantage inconvénient, parce que autant tu relèves ton armée directement, donc tu peux enchaîner avec Nil Attack derrière, mais bon, t'as moins de drop, vu que t'as enlevé 15 mobs. Mais bon. Tu vois, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Hein, genre, voilà. Et ensuite, les mobs sont quand même assez squishy. Souvent, le mercenaire, avec un insight, il va littéralement one-shot tout le monde. On est d'accord. Donc ensuite, du coup, Pindleskin, forcément, c'est safe. Le boss loot deux items. Même s'il loot souvent de la merde, c'est deux items quasiment tout le temps. Hein. Donc, je crois que c'est même tout le temps. En fait, je suis même sûr que c'est deux items tout le temps. Ensuite, il n'y a qu'un seul layer. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule map possible. Tu vas pas galérer à trouver Pindle, etc. Et au pire des cas, tu peins. C'est parce que Pindle, il est à côté quand tu restes ton armée. Donc, autant le faire, c'est gratuit. Tu vois, tu fais deux explosions de cadavres, c'est terminé. Ceci dit, tu peux te faire arnaquer à Pindle. Ça peut arriver qu'il te TP dessus, il te tue. Si t'as pas le stuff, franchement, si t'as pas les points de vie, que t'as pas l'armure d'os, parce qu'il y en a qui grident en hardcore et qui ne joue pas avec l'armure d'os, que je déconseille, tu peux vite te faire avoir, hein. il faut pas faire n'importe quoi, c'est tout, faut éviter. Donc ensuite, dans les avantages de Pindle, on a pas de problème d'immunité en nécro, mais ça on en reparlera après pour Nil Attack, hein. Juste derrière on va en reparler, étant donné que là-bas il y a que des immunes poison. Des fois, bon, Pindle il va arriver, il va avoir par exemple peau de pierre, enfin, ou tir résistant, etc., ce genre de conneries, mais c'est pas vraiment un problème parce que t'as une bonne masse de personnages, t'es quand même assez défendu. Tu peux pas te faire tuer comme ça à Pindleskin. Donc ensuite, il y a des sous. Voilà. Donc ça, c'est mine de rien. C'est toujours bien parce que ça te génère quand même pas mal de gold, ces conneries. Hein, et un peu d'XP. Parce que la zone, elle est pas non plus level 60. Hein, donc tu vas faire quand même des golds à Nil Attack. Enfin, à Nil Attack à Pindle. Surtout que c'est en lien avec l'inconvénient de Nil Attack où le mercenaire, des fois, il meurt. Hein, ça peut arriver qu'il se fasse tuer à cause des vipères. Parce que vipère, c'est one shot. Hein, littéralement, je te le dis, c'est one shot même si t'as visage en Dariel et tout. C'est one shot man, hein, là-bas, c'est... T'es sous tricherie, visage dans Dariel, moi c'est ce que j'ai sur mon mercenaire, il se fait one shot. Donc ensuite, pour Nil Attack, on y passe tout de suite. C'est-à-dire que déjà, il y a un avantage majeur, c'est que personne n'y va. Et c'est con, mais alors, autant tout le monde a de l'AOE, clairement. Donc par exemple, la Murdine, etc. Mais t'es probablement, en fait, en Necro Summoner, t'es probablement le personnage qui a le moins besoin d'équipement pour aller là-bas. Donc c'est-à-dire que c'est un équipement qui va être...
mid-game, end-game, surtout en hardcore, donc tu stack les résistes et t'y vas, hein, puisque bah, de toute façon, comme dit plus tôt, bah, en fait, les clés ne prennent pas en compte le Magic Find. Au final, tu t'en fous un peu, parce que quand tu vas annuler l'attaque, principalement, c'est pour les clés. Hein, mais bon, on va voir qu'il y a d'autres avantages sur place. Donc, qui dit annuler l'attaque, dit 3 layers possibles. Alors, je compte pas la salle de nid attaque parce que ça, il y a des moyens de se repérer assez facile. C'est-à-dire que tu regardes, tu checks, il y a les yeux. Voilà, donc ça, tu peux aller voir. Il y a des vidéos en anglais. Il y a des sites en anglais qui te disent exactement comment tu te repères. Pareil, hein, pour le waypoint, il n'y a que 3 layers. Donc, il n'y a que 3 possibilités en fait de où se trouve la sortie. Et ça, c'est hyper facile. Hein. Vous faites 10 run nid attaque derrière, vous vous retrouvez instant. Et ensuite, donc, il y a un layer avec une urne maléfique, ce qui est toujours à cette prix. Et il y en a un autre avec un coffre, ce qui est également toujours ça de prix, hein, on va pas se mentir. Puis, il y a pas mal de mini-coffres, hein, des conneries, tu vois, enfin des corbeilles et des trucs, il y en a vraiment beaucoup. Aussi, on peut trouver pas mal d'hôtels, donc moi j'appelle ça des shrines, mais je crois que ça s'appelle hôtel en français, je suppose, avec des shrines d'XP. Donc ça, il faut le savoir, ça augmente ton Magic Find. Hein. Alors, c'est pas dit... Mais je te le dis, c'est comme ça, c'est fait. Alors, c'est encore un truc obscur hein, de Diablo 2, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de trucs obscurs, mais voilà. Donc ensuite, l'avantage de Nil Attack, donc que ce soit sa zone à lui ou la zone d'avant du Waypoint, c'est des zones e-level 84. Donc ça veut dire que tu as une très très bonne XP, hein, ce qui va être en lien avec l'un des bonus qui va arriver juste derrière. Hein. Donc Nil Attack drop également pratiquement tout, malgré le fait que ce soit une zone 84, et on en arrive du coup, à cause de ça, on en arrive au point suivant, qui est les Bad Charms. C'est-à-dire que Nil Attack loot des charmes. En gros, il loot des charmes équivalents à ceux de Diablo et de Baal. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu drops un charme sur Nil Attack, tu peux le roll dans le cube, tu peux utiliser la recette pour essayer d'avoir un skiller avec des affixes en dessous. Voilà, donc en fait, c'est simple, c'est lui qui les loot, hein, c'est les grands charmes hein, par contre. Hein, il ne faut pas faire ça avec les moyens ou avec les petits. Hein, genre, donc, ce n'est pas les larges. C'est pas les small, donc c'est pas les petits et les moyens, donc c'est les très très grands, c'est ceux à 3 slots, hein. On est d'accord. Donc ça, c'est toujours un bonus. Il me semble bien, à vérifier, hein, il me semble bien qu'il est capable de te looter les anneaux de craft, hein, et potentiellement les amulettes, je suppose. Donc c'est à voir, il faut vérifier. Moi, j'ai pas pris le risque, mais il faudra aller voir sur le handbook crafting, etc. Alors, ça se trouve sur des sites, hein, voilà, ou même des vidéos anglaises ou VF qui ont déjà dû balancer au moins 2000 fois le lien. Mais dans l'idée, ça, c'est à vérifier, par contre. Mais il me semble bien que, du coup, Nil Attack, il le fait aussi. Donc ensuite, il y a un truc, c'est que malgré le fait que il y a toutes les immunités possibles, etc. Là-bas, tous les trucs anti-foudre, anti-machin, ce que tu veux, là, le feu, là, les trucs. Bah, en fait, le nécro n'a pas vraiment de problème d'affix. Hein, donc, ça dépend les affixes. Hein, c'est un peu random, hein, les mobs qu'il y aura dedans, à cause de l'amplification de dégâts. Donc, la première malédiction et la dernière, le lower resist, etc. Ensuite, le nécro est quand même assez safe sur place pour plein de raisons. Il y a vraiment que les vipères qui poseront problème parce que, bon, à part si tu fais n'importe quoi, et bah, là, je peux rien pour toi, mais tu peux faire un combat d'explosion de cadavre avec lui. Donc, je te conseille d'avoir une sight quand même, hein, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Dans l'idée, c'est que le nécro, tu fais exploser les cadavres ou alors tu les ressuscites, ce qui fait que Nil Attack ne peut pas faire des explosions de cadavres et te faire un milliard de damage. Donc, bah, le résultat, c'est que toi, tu es en lien avec ce que j'avais dit au début, c'est que tu n'as pas besoin d'items spécifiques pour y aller. Il y a des items en fait qui bloquent revive, qui empêchent la résurrection. Ce qui fait que les gens, ils ont besoin de ça à la base pour pouvoir aller à Nil Attack. Parce que sans quoi, t'as beau être paladin, Nil Attack, il te fait péter 5 cadavres. Et il y a des moments, il pète un cap parce que Nil Attack, il a curse, machin, truc et compagnie. Avec téléportation, il TP, il te met la curse, il te fait exploser 4 cadavres, tu sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé où Nil Attack, il fait péter 3 cadavres d'un coup, hein, donc quasiment à la suite, hein, à la chaîne, hein, comme si c'était un joueur nécro qui spammait. Hein. Il m'a déjà fait ça, je peux te dire que les summons, donc les squelettes, ils n'ont pas apprécié du tout. Hein. Bah, ils sont tous morts, en fait. Donc voilà, parce que Nil Attack fait extrêmement mal, la zone est quand même pas. Bon, c'est pas une zone comme si t'avais 30 points. En Corpse Explosion, mais dans l'idée, faut quand même se méfier, faut faire attention, mais c'est très safe. En fait, tu peux te mettre juste à l'entrée de sa salle pour pouvoir tuer tout simplement tous les cadavres en boucle, et Nil Attack, souvent, il meurt même à cause de ça. Hein. Si t'as un peu de stuff, il n'y a pas de problème. On en vient à la suite. Une bonne masse de mobs, qui fait que
C'est toujours sympa en nécro parce que le nécromancien, il a une bonne capacité à tuer la masse avec le Corpse Explosion, etc. Donc là, encore une fois, je parle du summoner parce que ben en poison, tu vas souvent ailleurs, mais tu peux aller à Nil Attack aussi si tu as envie, tu vois. Mais bon, voilà. En os, c'est pareil, tu fais un peu ce que tu veux. Mais c'est vraiment, là, je parle vraiment du summoner. Hein. Je parle vraiment de du nécro invocation. Et donc, qui dit une bonne masse de mobs dit par conséquent des runes. Voilà, tout simplement, des runes, des gemmes, des joyaux, etc. Et que les runes, pareil, ne sont pas influencées par le Magic Find. Ce qui, en hardcore, en fait, mine de rien, est quand même un bon point. Parce que, à tout moment, en plus, c'est une zone 84. À tout moment, là-bas, tu peux looter du jat, du bear, de ce que tu veux. Hein, genre, donc, à tout moment, bon, il faut de la chance. Mais dans l'idée, ça, tu peux looter des HR là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, qui dit ça aussi, dit beaucoup de mobs, dit des bases, donc des Archon Plate, ce genre de conneries, tu peux looter ces trucs là, donc c'est vraiment pas mal pour farm, surtout qu'en plus tu en profites, puisque tu farmes les clés de la destruction sur Nil Attack, qui se vendent à bon prix, puisque comme dit plus tôt, personne ne va à Nil Attack en fait, personne n'y va parce que c'est trop dangereux, en hardcore les gens ont trop peur, il y a des spés où tu peux pas foutre les pieds à Nil Attack en fait, genre enfin c'est littéralement quasiment impossible d'y aller en fait, genre enfin... En hardcore, en tout cas, c'est vraiment greedy. Parce qu'en softcore, tu peux tout faire. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que si tu meurs, c'est pas si grave. Là, ici, c'est bah, tu meurs, tu perds ton perso. Donc, en fait, et puis bah, là, on parle vraiment de Nil Attack en mode enfer. Ce qui veut dire que tu as déjà fait la quête d'Anya et tout. Et t'as pas envie de tout recommencer. C'est un peu chiant, quoi, en fait. Donc, ça peut être long. Donc, on a aussi des mobs sympas à revive hein, et à faire exploser. Notamment, je pense aux gardiens du temple et tout. Je vais peut-être mettre une liste hein, là sur le côté. Une liste de mobs qui sont sympas à revive. Il y a des mobs avec un pool HP assez correct. Ce qui fait que quand tu les fais exploser, il y a littéralement tout qui meurt derrière. Hein. Donc en écrou, en fait, t'es plutôt bien. Et également, ça loot quand même pas mal de gold. Hein. Ça loot vraiment pas mal de gold, plus le layer du coffre, etc. Donc on est quand même assez bien pour compenser forcément la mort du mercenaire qui va coûter 50 000 à chaque fois qu'il va mourir. Donc parce que bah à ce niveau là bon des moi j'y allais avant mais c'est pour dire que nécro ça va, tu vois, j'y allais et j'avais un peu moins de stuff que là, mais toi tu peux looter des bons trucs à Nil Attack quand même hein, donc voilà. Ensuite on va se connecter tout de suite, et en fait comme je suis une bonne personne, bah j'ai fait 100 run Nil Attack, mais c'est le titre de la vidéo donc tu t'en doutes, donc on va quand même parler un peu. Alors c'est pour ceux que ça intéresse, parce que oui, je sais, il y a des gens que ça intéresse, peut-être les probas ou ce genre de conneries. Désolé de ne pas pouvoir faire 2000 runs, je joue pas sorcière. À un moment donné, bon voilà. Alors, en gros, dans l'idée, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bon déjà, sur 100 runs, il faut savoir qu'on est tombé 33 fois sur les vipères. Donc 33 fois, il y a eu des vipères, alors que ce soit 4 vipères ou 1 milliard, hein, genre peu importe. Donc voilà, les vipères, attention, elles sont toujours dans la salle de Nil Attack. Alors pas sa salle là où il est, mais la salle après que vous ayez pris le TP hein, dans l'idée, donc voilà. Donc, il y avait 33 fois les vipères, il y a eu 25 fois le layer du coffre. Donc c'est-à-dire quand on waypoint, donc quand le point de téléport, il est en haut à droite de la map. Là, j'ai noté aussi un bordel à la porte. Donc le bordel à la porte, parce que j'ai un bloc-notes hein, pour ça. Le bordel à la porte, ça c'est quand tu passes la porte. Pour aller du coup dans le hall de je sais plus quoi, hein, tu passes la porte et t'arrives là où il y a Nil Attack, les yeux et tout ce bordel. 15 fois. Alors, quand j'ai noté le bordel à la porte, t'as intérêt d'être là quoi. Enfin, tu peux pas, tu passes pas la porte AFK. Alors, j'ai pas noté le nombre de fois où je me suis tapé le combo vipère plus les layers à la porte, donc les vipères à la porte, mais ça, ça peut te tuer si t'as pas beaucoup de résist poison, etc. Ensuite. Il n'y a eu pas de mob, voire très peu. Quand je dis pas de mob très peu, c'est vraiment, il n'y avait rien sur la route. Hein. D'ailleurs, c'était le layer où tu pop au milieu, hein, dans la salle, quand du waypoint du milieu. Je l'ai eu 3 fois. Et ensuite, 13 fois, il y a eu littéralement, alors j'ai noté, hein, 1 milliard de mobs sur la route. Il n'y avait pas 1 milliard, mais disons qu'il y avait énormément de mobs, mais genre vraiment beaucoup. Il y a une fois, j'ai manqué de mourir. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai commencé les 100 runs Pindle Nil Attack. J'étais level 90,5. Là, on est 91, donc là, tu vois mon XP. Donc, on va dire c'est 91 avec 0,8 bar. Tu vois, voilà, 0,8, 0,7, 0,9. Vois l'XP qui est en bas comme tu as envie, hein, dans l'idée.
Donc ensuite, ça m'a pris littéralement en nécro, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Alors j'y jouais chill, hein, j'étais, je sais pas, j'ai été me balader, j'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs IRL sur le côté, hein, j'ai joué à d'autres jeux, j'ai fait des pauses, j'ai été, je sais pas, graisser un vélo, dégraisser mon pantalon derrière, tu vois, j'ai fait des trucs dans ma vie, hein, j'ai regardé un film, j'en sais rien, j'ai dormi, etc. Donc ça m'a pris ouais, une journée et demie, hein, globalement, à peu près, pour faire mes 100 runs. Donc ensuite, Pindle loot un truc. J'ai noté. Donc c'est quand que Pindleskin, il m'a looté un truc. Donc bah, il m'a looté 4 trash verts et un unique trash. Et il m'a looté un Sazabi vert. Donc c'est un bon item en hardcore. Hein. Quand t'arrives level 43, etc. C'est un très très bon item. En vrai, clairement pas dégueulasse. Parce qu'en fait, je ferai peut-être une vidéo hein, si ça vous intéresse. Mais l'approche en mode hardcore, donc extrême, je crois en français. Donc là où quand tu meurs, ton perso, il est mort. Hein. Tu perds ton perso en fait. Voilà. Donc au moins là, c'est direct. Hein. C'est-à-dire que là, si mon nécro meurt, il meurt. Voilà, point à la ligne. Donc en fait, l'approche est différente dans softcore. Donc ce qu'on appelle softcore, c'est le mode normal où quasiment tout le monde joue, hein, on va pas se mentir. Et au bout, à la run 70, il m'a looté le petit Pindleskin, il m'a looté une Snowclash, qui est bon, un item bien connu de vous, sorcière. Voilà, sorcière Cold ou Blizzard, je crois. Hein. Enfin oui, c'est Blizzard Cold, on est d'accord, hein, les sorcières Blizzard. Meteorb, il me semble peut-être pas que ça joue avec ça, et encore que... non, ce suis Blizzard, c'est sorcière Blizzard dessus. Voilà, il m'a looté ça, hein, donc ça vous donne un ordre d'idée. Par contre, c'était la run 70, hein, et après, il m'a rien looté du tout. On a eu un affixe, enfin, pas un affixe, mais dans l'idée, on a eu 13 fois, ni l'attaque n'a looté que des golds. Alors, par contre, il loot des golds, hein, c'est à base de. Bon, j'ai un guide là, ici, mais il m'a looté quand même, voilà, enfin, c'est un guide Akobian que j'ai, à 115. Il m'a regardé, il m'a looté 9000 et 7000 golds, hein, donc il te loot deux fois des golds. 6 fois il ne m'a rien loot. Alors quand je dis il ne m'a rien loot, c'est il m'a looté genre une potion de soin, une bouteille d'huile, ce que tu veux. Hein. Genre il m'a looté un objet dégueulasse. Enfin pas un objet, il n'y a même pas de bleu. Tu vois, il n'y a même pas d'objet magique. C'est-à-dire il n'y a rien. Donc ensuite on a eu un Balcharme. Balcharme qui d'ailleurs est ici. Voilà, donc ça c'est un charme que je vais reroll. Ensuite on a looté, alors en prenant en compte Pindle hein, forcément, derrière on a looté 6 bases utilisables. Alors... looter des bases à côté, mais bon, il y a un Zacharum Shield dégueulasse qui va sûrement être vendu. Il y a un supérieur Monarque à 9% qui va sûrement être vendu, qui va se vendre aussi. On est d'accord, hein, ça va pouvoir se vendre. Il y avait des Colossus Vulge, il y avait des trucs. Donc, on a looté 6 bases utilisables. Donc, ensuite, des uniques poubelles. Alors, j'en ai looté 16 avec un éthéré. Donc, des items uniques qui sont vraiment dégueulasses. Donc, ce qui fait qu'en fait, au final, on a looté quand même pas mal d'uniques. Hein. Genre, avec 200% de Magic Find, c'est quand même ok cher. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Sur 100 runs, avec un éthéré. Donc, la proba de looter un unique éthéré, elle est quand même très faible. Mais voilà. Donc, et des items verts, donc des items de 7 poubelles tiers, il m'en a looté 25. Alors, là, il n'y a pas tout ce que j'ai looté, ni l'attaque. Mais dans l'idée, parce que j'ai pas de place après, hein, genre, donc j'ai forcément, il y avait des items, soit j'ai balancé parce que j'en ai trop, mais voilà. Donc une Irata Scoil, ça c'est une couronne qui est ok en early game quand t'es en hardcore. Voilà, je vous le dis, c'est un item qui est ok. Il y a les Gunsander, ça c'est un classique. Hein. Le Sazabi, du coup, forcément, il m'en a looté deux, bah, j'ai les deux là, il y en a un low et un moins low. Ça vaut rien, mais je les ai gardés là, mais je vais les jeter. Hein. Mais dans l'idée, voilà. Des Berserker Edgeguard qui, en hardcore, sont vraiment très bons. À cause du Fire Resist 25%. Donc l'early est très très bon. Bon, après, vous remplacez. Hein, vous mettez un Horde Sol ou peu importe, on s'en fout. Hein, vous mettez autre chose. Et il y a l'Arctique. À savoir que le stuff Arctique est un très très bon stuff. De vraiment début de partie. Très très bon. La ceinture, des fois, en hardcore, on la garde jusqu'à très longtemps. Un Wizendraw. Tu décides de pexer une Amazon. Arc, ce que je déconseille hein. Donc en freezing arrow, donc en flèche de givre je pense, ou flèche glacée en français. Donc c'est un arc qui est vraiment très bon pour ça. Ça vaut rien, hein. Ça se vend pas cette merde hein. Mais dans l'idée c'est très très bon pour les rolls, parce que oui, en hardcore en fait il faudra vraiment que je fasse une vidéo dessus si ça vous intéresse, mais l'approche est vraiment différente comme je disais plus tôt, c'est à dire que tu vas chercher à stocker quand même des items etc pour tes rolls, parce que si jamais tu meurs là, t'as plus de perso. T'as plus rien et franchement repartir de zéro, t'as pas envie. Donc là, pour la vidéo, j'ai stocké dans le coffre personnel, mais faut vraiment éviter de faire ça. Hein. Ou alors tu stockes de la merde, ce genre de conneries, tu vois. Par exemple, ça va être vendu parce que j'en ai déjà hein, sur mes persos, dans des persos mul reroll, j'ai déjà ce genre de conneries. Hein. Donc ensuite, on a looté une belt qui est très bonne. Hein.
qui est vraiment une très très bonne ceinture. C'est la ceinture de Willem, qui est très très bonne avec les gants de Magnus, etc. Et le Guillaume Face. C'est vraiment pas une ceinture ridicule. Si jamais t'as pas mieux, c'est ok de cher. Donc là, on voit à peu près tous les joyaux que j'ai lootés. Alors, il faut savoir que pour les gemmes, je n'ai ramassé que les Flawless. Donc, je ne sais plus c'est quoi le nom. Peut-être Imparfait. Ça doit être ça. Imparfait, hein. Je n'ai ramassé que ça. J'ai ignoré tout ce qui était en dessous parce que bah, j'ai pas la place en fait, genre j'ai autre chose à faire. Et j'ai fusionné dès que j'avais 3. Donc ce qui fait que ça m'a looté tout ça. Ce qui est vraiment pas dégueulasse, hein, genre, enfin tu vois, c'est pas le pire truc, on est d'accord. Donc on a looté tout ça. Donc plus un charme qui est clairement ok de cher. Donc quand t'as un perso level 69 en hardcore, tu l'équiperas. Il y a quand même un 37 PV, un 48 mana, ça passe. Ah oui, parce que du coup en hardcore, forcément, tu regardes moins les charmes. Genre, enfin, tu vas pas pipoter. Genre, par exemple, c'est un peu compliqué. Donc là, par exemple, bon, là, j'ai 3 résistes. Hein. Mais tu vois, là, je me trimballe avec des charmes mineurs à 16 PV. Hein. Y a des gens, ils jettent ça. Hein. Genre, par exemple, on va dire ça, là. 29 résistes. Ah, ça, tu vois, je l'équipe. 29 résist fire. Là, j'ai un 28 PV. 16 stamina, on s'en fout, c'est 28 PV, là, que je garde. Là, j'ai un 9% de fire resist, j'en ai besoin pour mes stats, etc. Hein. Là, il y a un cold resist avec du magic find. Mais tu vois, mais globalement, ça, c'est des items. Souvent, en softcore, ça, tu gardes pas ces merdes-là. Hein. Tu t'en fous un peu, hein. Genre, enfin, bon, à part le guide, mais tu cherches des vrais trucs. En hardcore, tu regardes pas vraiment ce que tu vas équiper. T'as vraiment besoin de ne pas mourir, en fait. Donc, en termes de items, on va dire convenables. Donc, il y a pas mal d'anneaux à la con. On a looté ça. Donc voilà, c'est toujours bien pour un reroll ou un truc comme ça. On a looté aussi une gold skin. Alors ça, c'est un starter item pour le barbare goldfind. Parce que oui, il y a des barbares goldfinder. Donc les... Bah, je connais pas le talent en français. Doit être probablement... C'est ceux qui... En fait, ils génèrent... En gros, le barbare, il a FK à Travincal. Littéralement. Donc le mec va à Travincal et il farm ça en boucle. Et en fait, il a... Par exemple, il va porter 2 Alibaba, etc. Donc ça, c'est la version vraiment low cost. Hein. C'est double Alibaba, le casque du roi immortel, etc. Et il porte ça, en fait. Donc ça, c'est un item qui peut... Alors, ça se vend pas cher, mais ça peut se vendre. Ou alors, tu peux toujours faire un roll barbare Goldfind et l'équiper. Donc voilà, c'est un très bon item de starter. Donc on a looté la Snow Clash. On a le Bone Flame qui a été looté à la 98e, 99e run. Donc il y a un bon item hein, pour le coup qui est très très bon. C'est l'une des meilleures têtes nécro du jeu. Il faut savoir que contrairement au softcore, ah, tu peux jouer avec Bone Flame, hein, y a pas de souci. Hein, cette tête là de nécro, vous pouvez jouer avec en hardcore. Hein, mais je vous le déconseille vraiment parce que en fait, la tête est forte. Elle est vraiment très forte. Mais au Homonculus c'est meilleur. Alors pourquoi? Parce qu'il y a du blocage. Tout simplement. Et que bon, là ici. On a mis, on a socket un diamant pour les résistes. Mais dans l'idée de base, tu mets Shael une fois que tu as beaucoup de stuff. Parce que oui, quand tu as beaucoup de stuff, voilà. Donc là, c'est une low Homonculus hein, que j'ai. Donc un Zakarum blanc 44 qui a moyen qui part. On a looté ça. Alors ça, c'est un très bon bouclier en hardcore. Ça, il faut le savoir. Hein, c'est vraiment un excellent bouclier. Même si tu préfères jouer, si je dis pas de conneries, Shael Tool. Ah, je sais plus ce que c'est. Il y a des boucliers comme ça qui sont très très bons avec les morts uniques. Mais celui-là se vaut. Donc ensuite, on a looté ceci. Qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est l'anneau de Nilatak. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Alors, et tu le drops pas forcément à Nilatak, mais dans l'idée, cet anneau, c'est ce qui permet, par exemple, au paladin Hammerdin ou à d'autres trucs, de faire Nilatak de manière safe. C'est-à-dire que autant en softcore, tu pourrais peut-être te permettre d'y aller sans ça, autant en hardcore, franchement, t'oses pas vraiment y aller, quoi. Enfin, c'est parce que c'est vraiment compliqué. Sans ça, c'est très difficile, parce que Nilatak fait péter les cadavres, et ça, la Nature Spice, qui doit être sûrement la paix de la nature ou un truc comme ça, bah, empêche les mobs, enfin les cadavres, d'être réutilisés, donc soit pour être ressuscités, soit que Nilatak ne peut pas faire exploser les cadavres, ce qui est très très bon. En plus, il y a du poison résist dessus, et des dégâts réduits de 10, et en plus, il y a un Oxage dessus. Donc ça, c'est le pet du druide qui donne les points de vie. Donc c'est toujours ça de prix, c'est vraiment pas dégueulasse. Ensuite, des charmes, ok, cher, hein, 5% avec 27 attack rating, ça va, hein, on va pas se mentir, c'est ok. Un 3 all resist que je vais probablement équiper, je pense. Donc là, c'est le charme, oui, c'est le bal charme, donc qui est droppé sur Nila. Bon, là, c'est que des runes vraiment low mid, etc. Et la rune la plus HL que j'ai droppée, malheureusement, c'est qu'une loom, mais bon, c'est toujours ça de près aussi. On a looté des petits charmes aussi assez sympas, hein. C'était pas les pires charmes du jeu. Je vous ai pas noté exactement le nombre de charmes parce que j'avais autre chose à faire. Pareil, les objets bleus de craft,
Donc tout ce qui va être Demonite Gloves, donc les gants démoniaques, je suppose. Tout ça, je les ai pas notés. J'ai pas noté, mais j'en ai vu beaucoup. Et on a looté tout ça en clé de la destruction sur 100 runs. Et en termes de stuff, enfin en termes de stats, parce que bon, le stuff, tant pis, on a un Shaco, etc. On l'a pu le voir. Non, mais faut pas y aller non plus à poil, hein, ni l'attaque, hein, c'est très dangereux. Hein. Donc là, on a un 200% de Magic Find, ce qui est vraiment pas mal. Et on a les caps résistent. Alors on n'est pas over cap. À part en poison. Ce que je vous conseille vraiment pour aller annihiler l'attaque, je vous conseille vraiment d'avoir l'overcap poison, sans quoi vous allez prendre vraiment très cher. Autre résistance lightning qui peut toujours être utile, car là-bas, il y a des hiérophantes qui sont de très très bons mobs à res, d'ailleurs. Pareil, en termes de blocage, on est quand même à 53%. Mais parce que, en fait, j'ai pas encore le stuff pour monter à 75, donc faut le savoir. Si vous ne pouvez pas monter à 75, ça c'est un petit tip, si vous ne savez pas monter à 75, parce que vous n'avez pas de stuff et il faut faire des concessions en hardcore au début, ne vous en faites pas, vous pourrez respect plus tard, vous n'avez qu'à monter à 50%. Vous avez pas, ça sert à rien de monter plus haut. Genre, enfin là, moi je suis à 53 parce que je suis à 53, mais vous mettez à 50%, vous avez déjà un bon cap. Ça va littéralement vous sauver la vie. Je vous assure qu'à Nil Attack, quand t'as les porcs épiques, au détour d'un couloir, tu prends vraiment très très cher, hein. c'est pas une blague. Hein. Donc on a des dégâts magiques réduits, etc. Blabla, on a plein de conneries, des régènes machin, des ce que t'as envie. Hein. Et aussi, il m'a looté un truc que j'ai équipé, le Nage Puzzler, donc il y a un bâton qui est le meilleur bâton téléport du jeu, hein, littéralement en fait. J'ai pu du coup remplacer le bâton de TP de base par le Nage Puzzler, ce qui est vraiment très utile en summoner, hein. Je vous conseille vraiment de jouer avec. Et donc voilà, donc en termes de. Bon, par contre, on a un très bon Nagelring. Hein, et on a. Un, voilà, il faut voir la gueule du Shaco. On a Viper Magi. Donc on a aussi ça. Ça, je vous conseille d'avoir. On s'en fout de l'amulette. Mais je vous conseille d'avoir. D'essayer d'avoir des réductions de durée de poison. Sans quoi vous allez vraiment, vraiment prendre beaucoup de damage. Là, j'ai cette ceinture-là. Qui est une très bonne ceinture en hardcore. Mais il faut savoir que de base, Nil Attack, je le farmais avec une Golf Wrap quand je n'avais pas encore le guide. Guide que j'ai acheté, je ne l'ai pas droppé. Hein. Lui, je l'ai acheté pour une vieille lame. En fait, j'ai donné une lame au mec. Il m'a donné le guide 33%. Hop là, on est bien. Hein. Genre, du coup, j'ai pu enlever ma Golf Wrap pour pouvoir équiper cette ceinture. Voilà, donc ce qui rend un peu plus safe. Et vous voyez, c'est pas non plus c'est pas une ceinture HL. Mais dans l'idée, oui, on est sur un stuff assez avancé. On va pas se mentir, hein, on a quand même un stuff assez correct. Forcément, en arme, vous avez remarqué, il y a auto. Hein, genre, voilà, parce que au bout d'un moment, c'est une priorité en nécro, je pense, auto. En tout cas, dans les builds, on va dire standard, parce qu'après, si vous êtes vraiment théorie crafter et vous pouvez vraiment prendre l'arme de Léoric, ça se fait clairement en summoner de jouer avec ça. Mais ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo, etc. Donc, ça dépend. Et donc, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous convaincra d'aller à Nil Attack si vous avez un peu d'équipement. Il n'y a pas besoin d'avoir des Enigma, les fortitudes et les machins. Hein. Vous voyez, une Viper Magi qui est pas non plus la meilleure Viper Magi du jeu, mais tu vois, elle est quand même correcte. Faut quand même pas y aller à poil, mais encore une fois, c'est parce que moi, j'y vais avec 200% de MF. Mais si t'as pas 200% d'MF, c'est pas grave. Tu peux y aller avec moi. En hardcore, le plus important, c'est d'avoir tes résistes. Imaginons sur la Viper Magi, je pourrais mettre une gemme résiste, par exemple. Pareil, à la place du Nagle Ring, je mets un item résiste, ça passe. Les Trangoules, ça s'achète pour pas trop cher, etc. Donc, mais on parlera peut-être des builds de Nécromancien Summoner, etc. Plus tard, dans une autre vidéo, comme dit plus tôt. Donc sur ce, je vous souhaite un bon farm, etc. Et je vous dis à la prochaine. Gucci gang, Louis gang, Fendi gang, Dolce gang, Sachi gang, Prada gang, lot of gangs. I don't really fuck with no brand names. Join about to go on a rampage. Ooh, they don't wanna see me let the chopper bang. Yeah, get this bitch jumping like Shabba Rang. Ooh, what's a little pump to a rocket flame? Yeah, turn your pink dreads into pocket chain. Ooh, all you new rappers on me.